Thank you.
Thank you.
Thank you.
D'approvisionnement en eau, de relève, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle madame Sifandisa. Je suis la responsable du CSI de Libore. Madame, quelles sont les sources d'approvisionnement en eau potable des populations de votre aire de santé? Les sources d'approvisionnement de la population de notre aire de santé, comme les villages de riverains qui se trouvent au long du fleuve, c'est surtout les fleuves, les rizières même, les caniveaux d'irrigation, les mares en cas de saison pluvieuse, aussi les puits. Malheureusement, il y a des puits qui ne sont pas cimentés, ce sont des puits. Points d'eau qui sont modernes mais qui sont très insuffisants. Selon vous, est-ce que
cette population peut être exposée à des maladies? Et si oui, quels sont les types de maladies dont elle peut être victime? Ça, c'est évident. Dès qu'il y a problème d'eau, il y a aussi problème de santé. Les maladies diarrhéiques sont surtout liées au problème d'eau. Nous avons des exemples. Notre aire de sortie de notre village et surtout une zone endémique pour choléra. Chaque année, il y a des cas de choléra. En dehors de choléra aussi, il y a des maladies diarrhéiques. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée cette année du nombre de malades? Le malade que vous avez enregistré, est-ce qu'il y a eu des cas de décès? Et si oui, combien? Donc, par rapport aux maladies diarrhéiques, nous avons enregistré 1735 cas, pas zéro décès. Nous avons eu 129 cas de choléra. Malheureusement, nous avons enregistré 2 cas de décès. Les dermatoses aussi font partie des problèmes liés à l'eau, puisque la population est riveraine, donc il y a assez de peignades dans des eaux usées. Aussi, nous avons enregistré 739 cas dans 0 décès. Il y a aussi la bilharziose dans 12 cas, 0 décès. Ok. Donc, madame, vous venez là de nous donner les statistiques des maladies. Est-ce que vous avez des conseils ou des solutions à proposer à la population et aux autorités? Nous avons des conseils. Donc, par rapport à la population, c'est vraiment de faire le maximum pour éviter l'utilisation des eaux usées. Puisque nous considérons l'eau du fleuve comme une eau usée, elle n'est pas stérile. C'est ça même la source de contamination des maladies diarrhéiques. Donc, même si l'utilisation de l'eau du fleuve y est, il faut qu'il y ait des réseaux de stérilisation. Là aussi, comme nous sommes dans une zone vraiment pauvre, l'utilisation de l'eau de Javel n'est pas vraiment reconnue par la population. Donc, on est demandé à utiliser l'eau de Javel, à éviter les baignades dans les mares, voire les fleuves aussi. Donc, par rapport aux autorités locales, c'est vraiment d'appuyer la population en eau potable, en faisant des points d'eau modernes, tels que des robinets, des forages si possible, ou bien des puits cimentés. Par rapport à l'évacuation des eaux usées aussi, il y a un problème. Il n'y a pas de caniveau pour l'évacuation des eaux usées dans toute l'aire de santé, alors qu'on a 24 villages et hameaux. Il n'y a pas là où on va trouver un canal ou bien des caniveaux pour l'évacuation des eaux usées. En plus de ça aussi, il n'y a pas de latrines. Si on compte le nombre de latrines dans les concessions, c'est vraiment, ça ne fait même pas 10%. Alors que les manques de latrines, là, c'est un problème aussi. Les défécations sont un peu partout. On trouve les selles un peu partout. Les mouches se déposent sur les selles et encore se déversent encore sur les aliments. C'est encore une source de contamination. Donc nous demandons aux autorités ou bien aux bonnes volontés de faire des latrines à la population de Libore. Maintenant, dans la gestion quotidienne de votre centre de santé, est-ce que vous rencontrez des problèmes au niveau de votre centre? Sinon, quels sont les problèmes récurrents de votre centre de santé? Nous avons des problèmes. Commençons par les problèmes de médicaments. Pour prendre en charge correctement une population, il faut qu'on ait des moyens de prise en charge, dont les médicaments font partie. On a un problème de médicaments. Toujours une insuffisance en médicaments et en matériels biomédicaux, tels que les tensiomètres, les tables d'accouchement, les thermomètres,
otoscope, les glycomètres. Maintenant, en cas de soupçon de diabète, nous envoyons les patients sur la communauté urbaine où le coût de transport est vraiment cher, ou bien sur le district de Kolo. Un villageois, quand on l'évacue sur un autre centre de santé, ça les démotive. On ne va même pas. Donc, ça peut augmenter notre taux de létalité. Donc, en plus de ça, au niveau de, toujours au niveau des formations sanitaires, nous avons 5 cases de santé. Il y a une seule case de santé qui a des latrines. Donc, s'il n'y a pas de latrines au niveau des formations sanitaires, on ne peut pas dire que cette formation sanitaire-là est fonctionnelle. Elle est vraiment différente. Il n'y a pas de toilettes. Même les agents de santé vont à l'air libre. Donc c'est vraiment. Il n'y a pas aussi de l'eau. Donc au niveau du CSI, nous avons un point d'eau, mais il n'y a pas d'addiction au niveau de la salle d'accouchement. Alors que nous faisons des accouchements à moins 20 accouchements par mois au niveau du CSI. On fait l'accouchement, on met de l'eau dans un seau. Il faut voir les mesures d'hygiène avec l'événement du VIH-Sida aussi. Les risques de contamination est vraiment élevé. Si on arrive à avoir un lavabo pour le lavage des mains, pourquoi pas pour même le lavage du nouveau-né. Ok. On vous remercie, madame. Merci beaucoup. Problème de l'air de santé, nous avons aussi un problème de locomotion. On n'a pas de moyens de déplacement. Et tout centre de santé aussi, même des activités foraines. Là, c'est le CSI entier qui est en mouvement, qui est en déplacement vers un village qui est au-delà de 5 km. Même nous avons une dizaine de villages qui sont au-delà de 5 km. Mais chaque mois, nous devons visiter ces villages-là pour faire quoi? La consultation prénatale, la consultation nourrisson plus vaccination. Voire même des accouchements, s'il y a l'occasion, nous n'avons pas de moyens de déplacement. On n'a pas de moto, ni véhicule, ni charrette. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis madame Issou Fadiza, je suis la responsable du CSI de Libore. Et est-ce que vous pouvez nous dire, madame, les sources d'approvisionnement en eau de votre aire de santé? Donc, comme la commune de Libore est riveraine, les sources d'approvisionnement sont les fleuves, il y a les mares en cas de saison pluvieuse, les caniveaux d'irrigation, les rizières même, il y a aussi des puits. Est-ce que selon vous, ces sources ne présentent aucun risque pour la population? Si oui, quels sont les risques? Si. Ces sources d'approvisionnement présentent des risques en matière de santé. Est-ce que ce sont des sources qui ne sont pas propres à la boisson? Et quels sont les risques? Les risques, ce sont les maladies diarrhéiques qui peuvent être fatales pour la population. Est-ce que cette année vous avez rencontré quelques cas? Si oui, jusqu'à quelle hauteur? Oui. Nous avons enregistré des cas de maladies diarrhéiques telles que 1735 cas, 0 décès. Les dermatoses aussi, 739 cas, 0 décès. Des cas de choléra, 129 cas, 2 décès. Nous avons enregistré aussi des cas de bilharziose qui sont au nombre de 12, 0 décès. Madame, les conseils ou les solutions que vous préconisez en tant qu'agent de santé? Donc, en tant qu'agent de santé, je conseille à la population de ne pas utiliser l'eau du fleuve ou bien du mar, voire des caniveaux pour la boisson. Donc, par rapport aux autorités locales ou bien aux autres partenaires, la population fait recours à ces points d'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de points d'eau modernes. Donc, c'est de faire des points d'eau modernes à la population. Avec des bonnes fontaines, des forages si possible, ou bien des puits cimentés. Par rapport toujours à la sensibilisation, il y a aussi les manques de latrines.
La population doit avoir des latrines à l'air dans ses concessions et utiliser correctement ces latrines-là. Éviter de déverser les saletés et les déchets un peu partout. Donc avoir des caniveaux pour l'évacuation des eaux usées. Donc ça revient toujours à la commune et aux partenaires de faire des caniveaux d'irrigation et d'évacuation des déchets. Ou bien avoir des dépotoirs au niveau des villages. Même si c'est un dépotoir par village, ça permet quand même de conscientiser la population par rapport à l'évacuation des déchets. Le problème dont votre formation sanitaire fait face aujourd'hui. Donc les problèmes auxquels nous faisons face sont... Je vais vous rappeler que les CSC disposent de 5 cases de santé. Les cases de santé, c'est elles qui prennent en charge la population qui est au-delà de 15 km. Donc ces cases de santé-là n'ont pas de point d'eau, ni de latrines, ni de toilettes. Alors qu'au niveau d'une formation sanitaire, s'il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de latrines, la formation sanitaire n'est pas fonctionnelle. Donc nous sommes face à ces problèmes-là. Nous avons 4 cases de santé sur 5 qui n'ont pas de latrines ni toilettes. Pour les points d'eau, il n'y a aucune des cases de santé qui a un point d'eau. L'électricité aussi, il n'y en a pas. Donc tout ça là, ce sont des problèmes que nous vivons aujourd'hui. Donc par rapport au CSI, nous n'avons pas aussi de lavabo. Puisque nous faisons des accouchements au niveau du CSI, on a en moyenne 20 accouchements par mois. Nous n'avons pas de lavabo pour se laver les mains et pour laver les nouveau-nés aussi. Nous n'avons pas aussi de climatiseur, puisque en cas de saison sèche, nous fermons portes et fenêtres. Il faut voir, à l'intérieur ça fait chaud, donc on a besoin de climatisation. Il n'y a pas aussi des médicaments. Les médicaments, il n'y en a pas. Ça, ça n'existe pas. Parce que vraiment, on gagne peu. On partage entre 6 formations sanitaires. Il n'y a pas aussi des matériels biomédicaux, tels que les tensiomètres, les balances, les thermomètres. Il n'y a pas aussi des lits, puisque nous mettons aussi en observation les patients en cas de besoin. Il n'y a pas aussi des moyens de locomotion. Nous menons des activités foraines chaque mois. Nous sortons vers les villages qui sont au-delà de 5 km pour faire la CPN, la consultation prénatale, faire la pesée des enfants et la vaccination. Pour cela, on a besoin de moyens de locomotion, il n'y en a pas. Et en cas d'urgence, une femme qui est en travail, qui est en dystocie, qu'on ne peut pas gérer ici, on doit la référer sur un centre bien équipé. On n'a pas de moyens de locomotion pour les faire. Donc, on tend seulement les bulletins à la patiente. C'est à elle de chercher les moyens de déplacement. Alors que ça tarde, ça peut mettre la vie de la personne en danger, voire les décès. Donc, parmi toujours les problèmes, on a besoin aussi de